Salut à tous, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo cheveux. C'est une vidéo sur mes twists, donc voilà, j'ai fait des knotless twists. Alors c'est pas un vrai, c'est pas des vrais knotless twists. Voilà, je vais vous dire la vérité directement, j'ai écrit ça dans le titre parce que bon c'est des twists. Mais en fait si vous voulez, au début de mes cheveux je ne fais pas une twist, je commence par une knot, d'accord. Donc on va dire qu'au début c'est knotless braid, puis ensuite en twist, ok. Parce que les knotless twists ça existe, hein, mais c'est juste que c'est plus compliqué à faire et je trouve que ça tient moins bien. Donc j'ai préféré sécuriser avec une natte au début. Donc voilà pour ceux qui vont me dire en commentaire, oui mais non c'est pas... Bref, on sait, je sais, ok. Du coup voilà, j'ai fait des super longues, donc elles sont vraiment longues. Elle m'arrive en dessous des fesses. J'ai utilisé des mèches crépues pour changer, etc. À la fin, j'ai pas eu besoin de les mettre dans l'eau parce que comme c'est déjà crépu, bah ça tient très très bien. Donc voilà, du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo, avec le tuto, etc., les explications, etc. Donc voilà. Du coup, on se retrouve avec une tête, voilà, et des cheveux à coiffer. Voilà. On va directement commencer. Hein. Vous aurez besoin de mèches. Donc moi j'ai pris des mèches crépues. Et en soi c'est pas des mèches bouclées, c'est des mèches... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est mèches crépues en fait. Et j'ai pris en tout j'ai pris 6 paquets. Donc c'est des paquets comme ça. Hein. J'en ai pris 6. Et voilà, j'espère que ça va suffire, normalement oui. Vous aurez besoin bien évidemment de cire, donc c'est toujours la même cire, ça change pas. Tous les liens seront dans l'info comme d'habitude. Et une petite brosse pour plaquer. Et d'un peigne pour tracer, donc c'est tout. Donc là mes cheveux, je vais vous dire leur humeur, on va dire. Hier j'ai fait mon shampoing, donc d'abord j'ai fait un bain d'huile, après j'ai fait mon shampoing, ensuite j'ai fait un masque et j'ai rincé et j'ai fait des nattes pour dormir. Donc voilà l'état de mes cheveux. Donc là ils sont quand même doux, voici ils sont doux. Là ce que je vais faire c'est que je vais pas mettre de crème ou quoi, je vais rien rajouter parce qu'ils sont déjà bien hydratés. Alors du coup je vais séparer mes cheveux en deux, vous connaissez déjà. Voilà, du coup j'ai séparé en deux. Je vais faire ligne par ligne comme d'habitude. Et ensuite ici, ligne par ligne. Là en fait, je vais faire une petite pause parce qu'on m'a ramené du chaud d'eau. Donc je suis obligée de faire une petite pause parce que ça va refroidir. Bref, du coup j'ai tracé ma première ligne et les premières mèches. Donc une, deux et trois. Je prends mon premier paquet, vous avez un élastique, là je vais le couper. Votre paquet vous l'avez comme ça, vous voyez que vous avez plusieurs mèches qui sont déjà en fait, elles sont déjà prêtes en fait. Donc je vais tout simplement prendre une mèche, je vais en préparer une autre à l'avance, que vous allez voir. Donc là je vais commencer à faire la natte. Je rajoute la mèche. Et là, du coup, je vais commencer à faire la twist. Et en même temps, j'aime bien, vous voyez, genre faire ça en même temps que je twist. Donc, comme je vous ai dit, j'ai préparé une autre twist parce que je vais la rajouter, donc. Parce que je veux vraiment qu'elle soit longue, en fait, mes twists. Je veux vraiment qu'elle soit longue. Donc là, il me reste ça. On va dire que j'ai fait un peu plus du tiers. Et je vais rajouter, du coup, encore une mèche pour que ce soit plus long. Donc en fait je les twist ensemble, vraiment ensemble. Et comme c'est crépu, ça s'agrippe pardon facilement et très bien. Quand j'arrive ici, donc je rajoute encore une mèche. Et pareil, je tourne comme ça. Peut-être, je pense que je vais faire derrière, comme d'habitude. Et je vais essayer de mieux vous expliquer quand je vais arriver devant. Alors, j'ai bien avancé, donc là j'ai fait tout le derrière, voilà, j'ai fait tout le derrière et j'ai fait tout ce côté là, c'est trop beau, je kiffe. Je vais vous montrer cette mèche, comme d'habitude on met de la cire. Moi ma raie je la fais au milieu parce que c'est ce qui me va le mieux, mais vous faites ce que vous voulez, vous faites ce qui vous va le mieux. Donc je vais commencer à faire la natte. Je prends trois parties, donc je prends trois mèches à peu près de la même taille. Je commence à natter.
Hop. Je sais pas si on voit bien. Arrivé à là, je prends une mèche que je vais placer au milieu des deux mèches qui sont là. Comme ça. Et je vais continuer comme si de rien n'était. Ma natte. Et ensuite, ma mèche à moi, toute seule, je vais la séparer en deux et la rabattre sur mes deux mèches. Et là, je vais commencer à faire ma twist. Et en fait, je vais commencer à d'abord twister comme ça. Hop, twister et twister comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, de toute façon, vous voyez à l'écran. Vous comprenez du coup pourquoi je vous dis que c'est pas des vrais knotless. Vu que... enfin, c'est pas des vrais knotless twist. Vu que je commence d'abord par une braid. Enfin, par une natte. Et du coup, quand vous arrivez un peu vers la fin, mais pas complètement vers la fin, vers là, vous voyez, il vous reste ça. Je vais rajouter une mèche pour que ce soit plus long. Donc je la rajoute pareil, en fait, c'est le même processus qu'en haut. Donc hop, et je twist comme ça, et je la passe. Je twist celle-là, et je la passe, ainsi de suite. Donc voilà, et je fais ça jusqu'en bas. Donc voilà, du coup, on a fini. La vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé. Je vous montre le résultat encore pour que vous voyez bien. Voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres coiffures. À part une coiffure que je ferai pas, que vous m'avez grave demandé sur Instagram. Je vous mets mon Instagram ici, je vous le remets. Hein. Allez me follow. Si vous me suivez pas, je comprends pas en fait. Mais du coup, à part une coiffure que je vais vous mettre ici, c'est la coiffure que j'avais quand j'étais en Grèce. Je ne la referai plus parce que comment vous dire que j'ai perdu trop de cheveux en fait. Devant, je pense que j'ai trop serré. Mais si je serre pas, enfin je trouve pas ça spécialement beau. Enfin, bah je la referai pas, vraiment désolée. Mais c'est vraiment très simple. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.